Oh, il y a du bon son là, attends, derrière cette porte, attends, il y a du bon son là, attends, qu'est-ce qui se passe? Wesh. C'est lourd ça. Attends, vite fait, j'ouvre la porte. Oh putain. C'est les journalistes là? Ah ouais, d'accord, en fait. Ah, c'est la présentation. Oh, salut. Salut. Ouais, est-ce que ça me fait d'être le nouvel entraîneur du Paris FC? Non, je suis... Bah, c'est... Ouais, bras écartés, ouais, on y va. Je suis content, beaucoup d'excitation. La voiture au président, voilà, vous l'entendez, hein. Le président commence à... il partage les ambitions du club. Ouais, c'est le meilleur président que la Terre... voilà. Ouais, c'est un bon président. Porte le PSG dans mon cœur, moi. Je dis ça. Ah merde, je l'ai pas enlevé le typo là. Ah merde, les bras écartés. Ah, ça va être intéressant. Ouais. S'il y a un match contre le PSG, vous inquiétez pas. On va faire exprès de le perdre. Hein, vous inquiétez pas. On veut que le PSG soit champion de tout. Hein. Ouais, bah oui, on pourra le voir au bout de quelques matchs, que je suis pas expérimenté. Hein. Vous n'avez pas une grande réputation, ouais, sourire. Je suis capable. Moi, je suis un battant. Vous parlez plusieurs langues? Ah ouais? Je me demande dans quelle langue répondre, tu vois? Genre, histoire de... Tu vois, je pique un peu. Ouais, bon, bah, après, la qualité au sein de... Je vais pas tout chambouler, mais... Ouais, on y réfléchira, ouais. Vous avez déjà rencontré les joueurs, souris. Ouais, quand même. Les supporters. Pointer du doigt. Je veux que tout le monde tire dans le même sens des supporters aux joueurs en passant par les employés du club. Et il n'y a qu'ensemble qu'on pourra atteindre l'objectif. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Je suis honnête. Ouais, on a plus de budget, ouais. Ouais. C'est bien. On s'entend bien. Il se souvenait plus qu'il avait menti sur son CV sur les langues parlées. Si. Bah, je... En fait, j'en parle pas vraiment, en fait, tu vois, c'est le truc, c'est quoi? C'est que, bon, voilà. Si. Ouais. Non, mais ça, je parle pas, c'est parce que c'est... Moi, j'ai été dans une province, ils parlent pas exactement comme ça. Hey. Merci, Toto. Toto du Nord. Il parle pas, il met des amendes. Moi, je parle pas avec les joueurs, je mets des amendes. Alors, on va juste faire ça, pour tous les joueurs. Le mettre au meilleur poste. Pour ce faire, je pense que je vais cliquer ici, faire ça. Bernauer, voilà, lui, on va le mettre arrière latéral, c'est bon. Tac. On va juste changer ça. Tac, ici. Lui, on va le mettre en arrière latéral soutien. Lui, on va lui mettre ça. Tac, ici. Ousmane Camara. Ça va être un défenseur central, c'est tout. Relanceur en plus. On peut, hein. Il est pas mauvais. Il sait faire. Je kiffe la petite danse. Ouais, t'inquiète, on est là, on est ensemble. Il y en aura d'autres. On en aura des dizaines. En relanceur, lui, non? Ça manque de sang-froid. Ça manque de vision de jeu. Par contre, on peut lui dire, vas-y, hein. Fais des passes dans... Passe longue, tu peux. Ouais, c'est bien, sinon il peut rester derrière tout le temps aussi. C'est bien. Il fait 1m98, hein. Ah, je vais lui envoyer des grands ballons sur la tête, lui. Vous allez voir. Monsieur Kanté. Oui. Oui, on se connaît. On s'est croisé à la boucherie la dernière fois. C'est un bon gars. Je vais juste lui dire, fais pas de passe longue, s'il te plaît. Joue simple. J'ai été expérimenté, joue simple. Vraiment, ça va te faire du bien de jouer simple. Je sens, ça va te faire du bien. Et même moi, ça va me faire du bien, parce que... Tu vois, quand tu joues un peu comme tu veux, frère, je suis pas bien, je peux pas être bien. Je peux pas être bien quand je te vois jouer. Je peux pas. Ah là, on va placer tout le monde sur le bon poste, tu vois. Et comme ça, après, à la fin... Eh ben,
Voilà. Tout le monde. Enfin, tout le monde s'entend. Sur ton CV, Marc, le danseur compulsif, capable de taper des pas de danse en pleine séance tactique. Carrément, je crois que. En fait, voilà, je vais mettre compétence danse. Et quand on va me demander, je vais répondre ce que t'as dit là. Danseur compulsif capable de effectuer des danses même en pleine séance tactique. Voilà. En pleine vidéo, tu vas voir. Je vais mettre des vidéos de danse, tu vois. Nous, on est là dans ça, frère. Que de la danse, frère. Que de la danse. Et c'est pas de la danse, en plus. Parce qu'on danse mal. C'est pas grave. Moi, j'ai pas peur du ridicule. Parce que le ridicule ne tue pas. Il rend plus con. Je suis con un peu. Là, j'avoue, c'est con, ça, ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. On est là pour l'ambiance. Tant qu'on se fait rire, on se fait rire dans le respect. Voilà, le rire, il rapproche les cœurs. C'est sûr, demain, Barcelone ou Madrid te recrutent grâce à ça. Hé, hey gars, gros, écoute bien, mets ton oreille sur la danse. En plus, je suis pas en rythme. Eh ouais, frère, je suis pas en rythme. J'en ai rien à foutre. Je suis pas en rythme. Et personne va me le reprocher, gros. Et personne va me le reprocher. Et maintenant, Iglesias, Julio, qu'est-ce qui... Julio, je t'avais dit quoi, Julio? Julio, tu m'as manqué, Julio, ça fait longtemps. Ah, ta petite tête, là, ouais. Ferme ta gueule, ouais. Pardon? Tu parles que espagnol? Ah, tu parles français, maintenant? Eh, il a pris le français en deux jours, le con. Je vous jure, il a pris le français en deux jours. Je vais t'appeler Julio quand même, frère. C'est pas grave. Oui, ça te fait chier, mais c'est pas mon problème. T'es vieux, hein. C'est pas ma faute. Le mec, il s'appelle Julio. J'appelle Julio si je veux, moi, déjà. Attendez, mais juste, je l'ai mis en quoi? En soutien? Non, on peut le mettre en attaque, vrai. Gros, on peut te mettre en attaque, viens. Viens, on va te mettre en attaque, en fait, parce que t'as un profil vraiment d'attaquant, en fait. Un profil, vraiment, j'aime bien. J'aime bien ce que tu sais faire. Alors, viens, ta tête de psycho, là, quand tu lui dis que ta tête, c'est pas un bonbon comme toi. Y a plus de musique, là? Comment ça, y a plus de musique? Attendez, mais vous êtes fous, quoi. On va mettre un peu de pop comme ça, là. Vous allez voir la pop culture. La pop culture. Eh, les gars, voilà. Bon, là, on est bon. On a Khalid Boutaïb. Vas-y. On va te mettre en attaque, gros. Boutaïb. Moi, Boutaïb, il faut que... Pourquoi en soutien, frère? Si tu te mets en attaque. Vas-y, frère, je te mets en attaque, c'est bon. C'est réglé, frère. Finition. Le but, c'est quoi? C'est que tu places tes... Non. Première intention. Ah, c'est pas vraiment fou, moi. Non, ça allait lui enlever. Pourquoi? Boutaïb, voilà, c'est bon. Ah, monsieur Lopez. Viens voir, monsieur Lopez. Ouais, je tutoie le joueur, alors que je le vois, je sais pas, je fais des trucs de ouf. Écoute-moi, gros. Tu vas jouer sur le côté gauche, tu vas faire ce que je te demande... Tu vas le faire très vite, très bien. Et on va tous être bien. On va tous être contents. Et là, tu me fais parler pour rien. Là. Alors toi, t'es ailier. Tu vas jouer ailier d'attaque. Voilà. Ailier d'attaque. T'as compris? Voilà. Mets-toi bien ça dans la tête. Ailier d'attaque. Cette partie, je vais la jouer, je pense, quasiment 100% du temps avec une capuche. D'accord? Vous avez compris pourquoi? Parce que je suis un entraîneur de la street. Et c'est comme ça qu'on va gagner la Ligue des Champions. Dans la street. On n'a pas besoin de la gagner ailleurs. Dans la street. D'accord? C'est la street qui va apporter la Ligue des Champions à Paname. C'est pas eux, hein, les autres là, les Qataris, je sais pas quoi là. Eh lui, on s'en fout. On s'en fout du PSG. Maintenant je suis au PRFC, on s'en fout du PSG. Peut-être de ouais. Ils pensent vraiment qu'ils vont gagner la Ligue des Champions avant nous, hein. À la mode Kylo Ren. J'allais dire Kylo Ren. Oh là là, si j'avais dit ça. Mais je l'ai dit en finale. Oh le con. C'est pas grave. Là, je l'ai dit. Je lui ai dit. Meilleur récupérateur. De soutien. La street de Neuilly, quoi. Street de Neuilly. Toi-même, ouais, qu'est-ce que tu racontes?
Je ferai les remplaçants après. On va faire le match d'abord parce que bon, il est un peu tard. Oh, les jurons. Tu vas sortir ton sabre et péter tout le vestiaire quand les joueurs perdront un match. Ouais, de ouf. Là, là, on va être, tu vois. On est en, tu vois, en large. Là, il y a les oreilles de Maître Yoda. Il y a le style de Kylo Ren, là. Et la, tu vois, la colère de Dark Sidious. Oh. La colère de Dark Sidious. Et j'ai les lunettes de Chewbacca. Oh. Il y a tout, gros. Tout est concentré ici. Tout est concentré ici. Tout est là, gros. Je leur parle, ils m'écoutent pas, gros. Ils m'ont pas écouté. Je leur parle, ils m'écoutent pas, gros. Je leur parle, ils m'écoutent pas. C'est la dernière fois, vous m'écoutez pas. À chaque fois, vous m'écoutez pas, vous allez voir. Venez, on met aussi la bonne vitesse. Attendez, faut que je ferme ça, sinon ça va bugger. Si ça bug, ça va m'énerver. Si ça m'énerve, ah, la partie, elle est pas bonne. On va se mettre en moment clé. Tac, tac. Lopez, avec Boutaïb. Allez. Iglesias. Julio. Ah, vous connaissez Julio? Vous connaissez pas Julio? Waouh. J'ai déjà pris un abonné grâce à la vidéo de la mise à jour. Waouh, bravo. Merci à vous. Merci à vous si c'est vous. Merci à moi si c'est moi. 13 vues. C'est bien. Hein, d'habitude, je suis à 8. 8 de plus que d'habitude. Enfin, 7. Du coup. Non, enfin, pas 7. 5. Wow, je sais plus. Ça fait une heure. Ou deux. Eh, hey, Alma Migori. Oui. Je préfère Enrique. C'est un lover. Comme son père. C'est qui, Enrique? C'est qui, Enrique? Il parle de quelqu'un, je connais pas. Ah, vas-y, vas-y, alors je lis de si jeu, y'a pas la VAR ici. On n'a pas de moyens déjà, on n'a même pas de. Le stade il est vide, donc regarde. Tu connais pas Charletti? C'est vide, gros. Le stade il est enfoncé dans la terre, frère, qu'est-ce que tu me racontes? On va pas y aller, gros. Enrique Iglesias, ah, pardon. Il a fait tomber la chanteuse de Nadia à l'époque. Enceinte. Ah, ok. Ah, il l'a fait tomber. Oh, je sais plus. Enceinte, ouais. Non, moi, c'est Julio, lui. Lui, c'est Julio. C'est un Uruguayen, gros. Il est pas français. Il comprend même pas ce que je lui dis. La dernière fois, je lui ai parlé, il comprenait pas. Julien Lopez qui marque. Je lui ai dit qu'il était petit. C'est pour ça qu'il marque de la tête. Parce qu'ils écoutent pas ce que je dis. Ils écoutent pas ce que je dis. Ça m'énerve. Allez, on y va. On gagne nos 6 matchs, là. On va faire tourner 1-1-1-1-1-1. Après, voilà, fin. 1-1, ça fait 2. Bon, tu fermes ta... Voilà. 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 Là, je sais même pas qui on affronte, gros. Les équipes, mon frère, il y a 4 lettres. Frère, arrête. Tombé, il l'a allongé sur le dos. Si tu préfères. Ah, ok, j'ai capté. Voilà. Je suis le taf. Bon live. À tous. Bon live, Toto. Bon live, Toto. Enfin, bon taf, Toto. J'ai n'importe quoi. Je suis fatigué. Hein. Je me dis, je suis fatigué. Je suis extrêmement fatigué. Mais bon, comme on dort dans la Clio ce soir, j'ai dit, bah, vas-y, la tête de homme que je vais pas dormir dans la Clio. Iglesias il est actif, hein. Moi j'aime bien. Lopez aussi il fait le taf. Et Gori aussi. Gori c'est le nom du vraiment hein, de For Real. C'est un nom, le nom d'un village au Mali. Un village d'origine carrément. Et le Gori. Gori Jafou. Ouais. Ça va. Voilà. Vous cassez les pieds par contre, t'as trop marqué là. Calmez-vous, les gars, on a besoin que le match il passe vite. J'avoue, là, j'ai mis une équipe, mon gars. Il faut qu'il joue tout le match. Qu'ils humilient l'adversaire, comme ça, on leur montre bien. Ouais, c'est comme ça qu'il faut jouer au football, vous avez compris? Mais si tu joues comme ça contre tout le monde, tu vas te faire boire. Ouais, je suis le gardien, il plonge même pas, gros. Ouais, j'ai capté, il l'a allongé sur le dos, gros. J'ai capté ce que ça veut dire. Ouais, encore un but. Allez, Iglesias, merci Julio. Merci. Et j'ai même pas capté qu'elle me l'envoie à moi.
Ah, je suis mort. Prénom, c'est Gaoussou. Et vous voyez la boisson, la gazouz. La gazouz, c'est une boisson algérienne. Il y a une prof d'anglais, elle m'appelle comme ça. Gassouz. Gassouz. Je suis mort. On m'a envoyé ça, là. J'ai même pas capté qu'on parlait de moi. En même temps, frère, il y a... Ça se fait pas. Faut pas se moquer des gens comme ça, ouvertement, comme ça, en pleine face. Non. Ouais, gros, tu dois marquer, gros. En un contre un contre un gardien, il sait même pas compter les buts. Tu marques, gros. Faites les efforts, les gars. Regardez, les gars, on regarde un match de foot. Dites-moi si j'ai raison. On va gagner au moins 17-0, 17-18-0. Au moins. Ah ouais, les mecs, ils ratent des trucs de ouf. Je vous jure, là, c'est des amicaux, tranquille, on verra en championnat. Eh gros, mais mets pas la pression, gros. Mets pas la pression, gros. Déjà, j'ai pas de staff, là, je suis venu tout seul. Là, je suis venu tout seul, on va gagner par 122 buts d'écart, là. Ça va me saouler, le match, il va durer hyper longtemps. Mais bon, comme c'est le premier, je le regarde. Les autres, je les regarderai pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je mettrai les remplaçants titulaires, les titulaires remplaçants. Puis voilà, on verra. Là, les titulaires, ils font les deux premiers matchs. Les remplaçants, le troisième. Le quatrième, c'est les titulaires. Le cinquième, c'est les remplaçants. Et le dernier, on mettra les titulaires et les remplaçants. Voilà. Vous avez capté? Si vous n'avez pas capté, bah c'est pareil. Je sais pas, demain, si je stream tôt... Demain, je fais deux streams. Un le matin, quand je me lève. Genre 11h, 14h. Et un, demain, c'est vendredi. Faire une pause. Non, je pense que je vais pas streamer, en fait. Ah, Gori, il est en train de se la raconter, mon frère. Tu as le sifflet en bas à droite. Ouais, non, mais j'ai pas envie de passer. J'ai envie de regarder le match parce que c'est le premier. Mais sinon, ouais, je sais, j'avais vu. Merci, en tout cas, Sourat. Bien vu. Le skin, il permet de faire ça, au moins. Et comme j'ai envie de regarder en temps réel et pas juste de voir le score, les buts, je regarde, il y aura peut-être... Là, j'ai vu qu'ils sont maladroits, ils ratent des trucs de ouf, quand même, tu vois. Parce que c'est bien beau, la Clio, mais on veut une autre voiture. Ouais, on veut dormir dans une autre voiture, au moins. Un X6, un truc, tu vois, je sais pas. Wouhou! Priscilla Allio! Priscilla Allio! On est plein, c'est la première. Eh, c'est le premier jour! Premier jour, wesh le sang! Wesh les gars! Les gars, vous abonnez. Là, vous arrivez sur un bordel. Attendez, je vais enlever la musique parce que ici, il y a une cérémonie. Ah, eh! Merci, hein. Bienvenue à toi et à tous tes viewers. Merci, j'espère que vous avez passé un bon live. Moi, je commence une partie avec le Paris FC. On est là comme ça, tu vois. Ouais. On est en Y. Premier match, 10-0. J'ai pas de diplôme, les gars. J'ai pas de diplôme. Ya. On est comme ça, hein. Vraiment, on est comme ça. Ouh. En tout cas, merci. Wesh, là, ça a pété le chat, moi, je sais plus où on en était. On parlait tranquillement, tous ensemble. Là, maintenant, c'est bizarre. Non, moi. Wesh. Oh là là, tout le monde s'abonne. Et abonnez-vous, frère. Abonnez-vous, faites les trucs. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait beaucoup de plaisir. Vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Sans les mains, les gars, on danse sans les mains. Et venez, on avance dans le match parce qu'en fait, le match il dure longtemps vu qu'on marque beaucoup de buts. C'est trop. Bravo, vous dominez la possession, c'est bien. Il dit ça à son équipe, il gagne 10-0. Ouais, vous dominez la possession, c'est bien. Wesh, Eiko. Ah là, vous allez bien ou quoi? Nouveau, que des nouveaux là, il n'y a que des nouveaux. Oliver Twitch. Oh, ça c'est un beau prénom, ça j'aime bien. Bonsoir à toi. Wesh les 5. Oh là là. On est là, on fait nos danses. On fait nos danses, c'est des échauffements. Bienvenue chez les Gaou, les gars. Vous êtes dans la Gaou Team. Vous êtes prêts
La Gao Family, vous êtes prêts à nous rejoindre, à étudier cette partie avec le PFC sur la nouvelle save. On va, enfin sur la nouvelle mise à jour. On va faire connaissance. Vous inquiétez pas. Ça c'était une partie un peu en mode roleplay. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président, en fait, il m'a croisé. J'étais en train de dormir dans ma Clio parce que ma meuf elle m'a mis un peu dehors vite fait. On s'est pris la tête. J'ai dit vas-y je pars et tout. Bref, en gros voilà, j'étais dans la voiture. Et ce qui s'est passé, tout simplement ce qui s'est passé, c'est cool le geste, non vraiment c'est cool, faut que je regarde le chat, ce qui s'est passé vraiment c'est juste que voilà, du coup il m'a proposé un poste parce qu'il a pas compris que j'étais juste manager dans la grande distrie et pas forcément entraîneur en fait, je lui ai dit oui, je travaille pour River Plate, il a pas compris. Le mec, il a câblé, il a dit oh lui c'est un grand coach, Thierry Loret il a dit on casse Neymar, moi je suis pas d'accord, je vais prendre lui. Il a viré Thierry Loret. C'est pas grave. En tout cas, voilà. On va revenir sur juste. Voilà, je vais dire bonjour à tout le monde. Tom Dot, fameux Nem. Oh là là. Le fameux Nem. C'est lui. On l'a retrouvé. On va mettre un score aujourd'hui. Je sais pas contre qui on joue. Je sais pas. J'ai mis une équipe vraiment éclatée. Et elle est éclatée. Je confirme. Anthony, bravo, bienvenue. Et oui, il y a du follow partout. Je dois encore 3 ou 4 dans, je sais. Péfute. T'es pas prêt, va voir le quoi? Le canon qui t'arrête. Mais non. Vous dites n'importe quoi, les gars. On a, moi-même, je suis beau. Elle arrête d'un beau garçon. Vous êtes mauvais. Non, elle est, c'est, je sais même pas qui c'est. Je la connais pas. Hein. En tout cas, bienvenue à elle et bienvenue à vous. Et merci pour le raid. J'avais pas, je lis comme ça, je voyais pas en fait. Sinon, j'aurais pas lu. On lit pas ce genre de choses. C'est des âneries. Il faut pas. Je t'ai dit que t'aurais ton premier salaire. Tu pourrais emménager dans 200 mètres carrés. Ouais, de ouf. On va emménager dans 200 mètres carrés. En plus, on est 200. On va emménager à 200 dans 200 mètres carrés. Non. Et ça me parle en alphabet cyrillique. Putain, coucou, Priscilla. Merci pour ton raid. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous embête, hein. Je dis que je suis un beau garçon. C'est juste pour avoir un peu de répartie, hein. Et en plus, ils prennent les rouges. Oh les gars, vous perdez 13-0. J'ai dit 17, moi. J'avais dit 17. Oh là là. On a pas peur du ridicule ici. Si vous avez peur du ridicule, il y a un russe perdu dans le chat. Non, mais il est en train de nous dire comment vous allez, mes compatriotes. Mes très chers compatriotes. C'est chaud là, les gars, ce qui se passe. Hein. C'est chaud ce qui se passe. Franchement, prenez soin de vous et de vos proches. Hein. Et surtout, gardez espoir en ce monde pour qu'il maintienne une paix cordiale. Hein, voilà. Avec plaisir, ça fait plaisir. Faut que je rattrape le chat. Faut changer la voiture parce que la Clio n'a plus d'essence. Et on va remettre la musique. On va remettre un peu de musique. On va. J'ai perdu mon pari. 13-0. On va mettre des petits. Voilà, si vous voulez, des petites prédits. Vous êtes chaud pour des prédits? On va mettre des prédits. Est-ce que le prochain match, on gagne par plus ou moins, moins de buts d'écart? Allez. Je vais mettre ça. Allez, prédit. Plus de buts ou pas? Allez. On va mettre plus de 10 buts d'écart ou pas? C'est pareil, c'est le même type de match. Je sais pas combien de temps j'ai mis par contre la prédit, je vois pas. Hop là. Ok, avec plaisir, c'est cool le geste. Merci en tout cas. La vie de ouf, ça. Chris l'ange de Twitch. Tac, tac, tac. Ils sont cons. Ah oui, d'accord, ok. C'est Kito qui va être content. Bien le bonjour à toi. Qu'est-ce que je voulais, t'as mis ma ville contre ton équipe. C'est quelle ville déjà? Ah, c'est Compiègne. J'avais oublié. Compiègne, mais oui, bien sûr, on les mange au petit-déj. Ça s'en mange au petit-déj. Tous les matins, j'ai mangé Compiègne tous les matins. Les gars, tous les matins, on mange Compiègne. Voilà, en tout cas, ce matin, on a mangé Compiègne. Mais ouais, aussi, tu veux faire des paris et tout, mais tu perds.
tu t'étonnes qu'elle t'ait mise à la porte verte. Ah ok, j'ai capté. J'ai capté. Bon, let's go. Hop. Victoire ou pas? Votre station. Non, bien joué les gars. Allez, on y va. On avance. Et on va regarder hein, si la dynamique... Ça avance, regardez. Petit à petit, on va avoir le soutien du vestiaire.